je partais régulièrement en expédition de chasse avec mon père. Courir sur les falaises de Morrowind était mon sport préféré. D'où venez-vous ? Ça vous apprendra. Par les divins tout-puissants, vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Cet horrible sacrement noir, ça a marché. Oui, on dirait bien. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai un contrat à vous proposer. Plusieurs, en réalité. Ce que je vous propose, c'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à honorer jusque-là. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous tuiez plusieurs personnes. Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées. Je suis sûr qu'avec votre tempérament, vous finirez même par aimer ça. Mais sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins, car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale. La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un coupe-jarret dans les entrailles de cette horrible crypte, c'est que je veux commanditer l'assassinat de... l'Empereur. C'est exact. Ce que je demande n'est pas une mince affaire, bien sûr. Mais vous représentez la confrérie noire. C'est le genre de service que vous proposez, non? Vous devez comprendre. Tant de choses se sont produites pour en arriver là. Toute cette organisation, toutes ces manigances. C'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées. Mais je me laisse emporter. Tenez, remettez ces objets à votre... chef. Axus, les objets. Ici. Ici. La lettre cachetée donne le détail de ce qui doit être fait. L'amulette a énormément de valeur. Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses.
Vous êtes de retour. Bien. Alors, avez-vous rencontré ce Motière? Que voulait-il? C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est? Parsitis, vous ne plaisantez pas. Tuer l'empereur de Tamriel? La confrérie noire n'a pas commis d'acte de cette envergure depuis l'assassinat de Pelagius. D'ailleurs, personne n'a osé assassiner un empereur de Tamriel depuis le meurtre d'Uriel Septime, il y a 200 ans. Non, certainement pas. Et pour une raison que j'ignore, c'est à vous qu'elle a choisi de transmettre les informations de Motière. J'ignore ce qu'il se passe au juste, si vous êtes l'oreille noire ou si c'est un coup de chance. Mais avec ce qui nous attend à présent... Et comment que nous l'accepterons? Si nous réussissons notre coup, la confrérie noire sera crainte et respectée comme jamais. Vous pensiez que j'abandonnerais une occasion de conduire ma famille à la gloire? Mais cela fait beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai besoin de temps pour lire cette lettre et pour définir une ligne d'action. Et cette amulette? Je pense que nous devons faire estimer cette amulette. Je veux savoir d'où elle vient, combien elle vaut et si nous pouvons la vendre sans nous attirer d'ennui. Un seul homme peut nous aider dans ce domaine, Delvin Mallory. C'est un reseller privé. Il travaille dans la souricière à Fayaise. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. Découvrez tout ce que vous pouvez et vendez-la lui s'il est d'accord. Il vous offrira une créance. Acceptez-la. La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin Mallory. On peut se fier à lui. Je ne sais pas comment vous pouvez... Quelque chose? Besoin de quelque chose pour la guilde? Oh, je vois. Eh bien, vous vous faites des amis partout, n'est-ce pas? Ah, tiens. Et comment va Astrid? Dites-lui de passer un de ces jours. On boira un verre. On fera un brin de causette. Ah, les affaires, toujours les affaires. Quel genre d'affaires? Voyons un peu. Où avez-vous bien pu trouver cela? Non, ne me répondez pas, je ne veux pas le savoir. Il s'agit d'une amulette du Conseil des Anciens de l'Empereur. Chaque membre en a reçu une unique en son genre. Ça vaut une petite fortune. Vous ne devriez pas vous en séparer sans une bonne raison. Je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire, mais si vous avez tué un membre du Conseil des Anciens, vous feriez mieux de nier
l'acheter. Ça, une amulette du Conseil des Anciens. Oh oui, oui, bien sûr. Attendez un instant. Tenez, c'est une lettre de crédit. Utilisable par Astrid uniquement, contre tout service ou objet que je peux lui fournir, conformément à notre accord. Rapportez cela à votre charmante maîtresse, avec toute mon estime. Vous voulez travailler un peu ou vous préférez traîner toute la journée ? Oui, je peux vous aider ? Bien, vous êtes de retour. Alors, qu'a dit Mallory ? L'amulette est-elle authentique ? Le Conseil des Anciens ? Ah, ceci explique cela. Mautière, quel vilain garçon vous faites. Vous avez engagé la confrérie noire afin de vous élever au-dessus de vos ambitions ? C'est délicieux. Mallory était-il prêt à acheter l'amulette ? Merveilleux. Alors nous allons pouvoir commencer. Enfin, vous allez pouvoir commencer. Après tout, c'est à vous que la mère de la nuit s'est adressée. Très bien. J'espère que vous avez des vêtements habillés, car vous allez assister à un mariage. Eh bien, plutôt une réception publique. Ce devrait être charmant. Vous vous mêlerez aux invités, mangerez du gâteau et tuerez la mariée. Oh oui, vous devez tuer la mariée lors de son mariage. Et on dit que le romantisme est mort. Elle s'appelle Vittoria Vici. Elle représente les intérêts de la Compagnie de l'Empire Oriental à Solitude. Le mariage se déroule dans cette ville, au Temple des Divins. Sa mort déclenchera un tumulte, ce qui est exactement ce que nous voulons. Vici s'adressera à ses invités régulièrement, comme c'en est la coutume lors des mariages. Si vous la tuez à ce moment-là, je vous promets une prime considérable. Maintenant, partez. Saluez la mariée de ma part. Faites-nous honneur, ma sœur. Croyez-le ou non, je préférerais encore qu'il y ait du soleil.